La maca, nouvelle plante miracle pour le sexe. Depuis maintenant quelques années, une plante fait fureur sur Internet, la maca. On lui prête toutes les vertus en matière de sexe, ayant des effets positifs aussi bien sur l'impuissance masculine que sur la fertilité féminine. Mais d'où vient ce produit miracle? Ses bienfaits sont-ils justifiés? Doctissimo fait le point. Sous forme de farine, de granules ou de gélules, une plante fait fureur sur la toile. Son nom, la maca ou Lepidium meyoni. Elle pousse au Pérou dans les conditions extrêmes, à une altitude de 3500 à 4500 mètres, dans des régions particulières des Andes. Toute tentative de culture dans d'autres régions du globe a semble-t-il été vouée à l'échec. Traditionnellement, la maca est cultivée pour sa valeur nutritive, son tubercule étant consommé en tant que légume, bouilli ou frit, très rarement cru. Mais cet engouement pour ce végétal exotique tient surtout par sa réputation sulfureuse. La maca passerait au Pérou pour un aphrodisiaque qui agirait aussi bien sur l'impuissance que sur la fertilité. Des vertus chez les rats et les souris. La plante est formée majoritairement de glucides, de 59 à 65 de protéines, de 6,6 à 12,8 de fibres, de 4 à 6 et d'acides gras. Elle se rapproche ainsi de la pomme de terre par exemple. Mais elle contiendrait surtout d'autres composés aux vertus intéressantes. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA, fait ainsi mention de plusieurs études menées chez la souris et le rat, qui montrent une augmentation de performance sexuelle des animaux, de leurs hormones sexuelles, progestérone et testostérone, ainsi qu'une stimulation de la spermatogenèse. Chez les rongeurs, la maca aurait donc bien les vertus qu'on lui prête, mais qu'en est-il chez l'homme? Diverses études ont été menées à ce propos. Maca, pas de Viagra, marque déposée naturelle. Pour l'instant, peu d'expériences ont été conduites chez l'homme pour prouver l'efficacité de la maca.
et ces études peuvent prêter à caution, comme le souligne le Dr Sylvain Mimoun, gynécologue et psychiatre spécialiste des questions de sexualité. Pour prouver l'efficacité éventuelle de la maca, il faudrait surtout faire des essais la comparant avec un placebo. En effet, pour les problèmes d'impuissance, il est prouvé que l'effet placebo intervient dans 30 à 40 des cas lorsque l'on a comparé un placebo avec le Viagra marque déposée, ce dernier donnait 85 de réussite, un chiffre statistiquement fiable, souligne le Dr Mimoun. La science n'a donc pas encore réellement tranché sur cette plante, qu'il ne faut donc pas qualifier trop hâtivement de Viagra naturel. Pas de maca en France. Reste que la maca est pratiquement impossible à trouver en France. Car, en 2004, l'AFSA a émis un avis défavorable quant à sa consommation dans l'Hexagone. La cause de la maca contiendrait des molécules particulières, les alcaloïdes, qui peuvent être toxiques pour l'homme s'ils ne sont pas préalablement chauffés avant consommation. Il faut dire que c'est le cas d'autres tubercules, tels que la pomme de terre, qu'il faut faire cuire et ne pas manger cru. Mais l'AFSA, ne sachant pas si les préparations importées en France sont préparées à base de tubercules crus ou cuits, préfère déconseiller la consommation. Il reste donc la solution internet pour s'en procurer, que l'on ne peut que trop déconseiller. Non seulement il n'y a aucune garantie que le produit reçu contienne bien de la maca, mais il risque même de receler des substances dangereuses. Alors si vous n'avez pas de problème de santé sexuelle, inutile d'acheter de la poudre de perlimpinpin. Et si vous souffrez de troubles érectiles ou de fertilité défaillante, le mieux est de consulter un spécialiste.